Comment êtes-vous devenu travailleur des techs? Tout simplement, j'ai terminé mes études aux aumôniers. Ouais. J'ai eu l'opportunité de passer un examen d'embauche tout de suite après. Ouais. Je l'ai réussi. J'ai commencé. Et depuis lors, je suis toujours ici. Ça fait 14 ans que j'appartiens à ces murs. Ça. Quel a été votre parcours scolaire? J'ai fait toutes mes secondaires aux aumôniers, jusqu'en technique, troisième technique. Puis je suis passé en professionnel parce que le pratique m'intéressait beaucoup plus. Le toucher des outils, tout ça. Le technique, c'est beaucoup plus, comme on le dit, le technique, de la lecture. Donc le professionnel apporte beaucoup plus dans la maintenance, dans l'utilisation de ses mains. Et voilà. Pourquoi avez-vous choisi ce métier? Mon père est né là-dedans, de père en fils. On aime la mécanique. Et me voilà. Ah ouais, ça va. Et bienvenue. Bonjour. Pouvez-vous expliquer une de vos journées au tech? Une journée type du tech. Ma journée, elle commence déjà de 6h du matin. Elle n'est pas type pour personnellement pour moi. J'ai mon chef qui me seconde. Quand j'arrive, c'est lui qui organise tout le travail en fonction de la situation du tableau là, de là-bas, du listing de travail, d'entretien. Là, il forme les équipes, soit entretien, dépannage, avarie. Et c'est le chef qui décide. Si c'est un entretien, on est dirigé vers l'entretien, il nous donne le plan de travail, on prend notre véhicule. On fait tout ce qu'il y a à faire dessus, jusqu'à 14h. Voilà. 14h. Donc, comme j'ai entendu, vous travaillez en équipe. Ouais. Comment ça se passe-t-il? C'est le chef aussi qui décide de l'équipe, en fonction aussi de la situation. On peut être deux, trois, voire seul, tout dépend du travail. Si c'est un simple petit entretien, on sera seul. Si c'est beaucoup plus imposant, ce sera deux. Parce que nos entretiens, on n'y fait pas que l'entretien, on fait la grosse mécanique aussi. Tout ce qui est grosse réparation, tirant, frein, tout ça doit être fait. Donc, c'est pas une équipe seule ou deux ou trois, ça c'est le boulot qui le dira. Mais il y a une bonne entente et tout. Oui, il y a une très bonne entente. On se soutient tous. Donc, c'est ce qu'il faut. Sinon, c'est l'anarchie. Si t'as pas d'entente ici, chacun dans son coin, ça n'ira pas. Ma dernière question, c'est est-ce que vous pouvez donner un conseil pour les jeunes travailleurs Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est de choisir du mieux que tu peux ce que tu as envie de faire, parce que sinon, ça ne te plaira pas. Et pense que c'est pour le restant de ta vie. Tous les jours, tu vas devoir le faire. Donc, choisis quelque chose qui te convient, qui te passionne, et persévère là-dedans. Ok.